C'est Amina. J'ai hâte de vous parler du sujet hype du moment, le sujet tendance, le sujet dont tout le monde en parle, c'est les fameux exosomes, la toute dernière technologie en ce qui concerne les injectables. Quels sont les exosomes? Quel est le protocole? Comment l'appliquer? Comment les mélanger? Quel est le délai? C'est dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, si vous pensez que vous allez accrocher à mon contenu, please un petit like et un petit subscribe. Les deux exosomes, comme je vous ai dit, c'est la dernière nouveauté. C'est très populaire en ce moment, très connu et très hype. Et en fait, il est tout simplement conçu pour régler toutes sortes de problèmes, que ce soit l'hydratation, l'apparence de la peau, l'élasticité, la collagénèse. Et il a cette capacité d'envoyer des messages de régénération de cellules en cellules. Quels sont concrètement les bienfaits des deux exosomes? Le produit, bien sûr, il va améliorer l'élasticité de la peau. Il va réduire les rides et ridules et il va bien sûr faire en sorte que cette peau reste ferme et bien maintenue. Il y a un ingrédient aussi, c'est de l'arginine à l'intérieur. C'est ce qui va vous donner cet effet de maintien et cet effet d'une peau bien en place. Ça, c'est le deuxième bienfait. Troisième, l'ingrédient phare, c'est la biotine. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser sur le cuir chevelu, au niveau du cuir chevelu. Donc, c'est très adaptable pour cette peau-là. Et la biotine, l'ingrédient qui est mis là-dedans pour que vous puissiez, pour que nous puissions l'utiliser aussi pour le cuir chevelu. Bien sûr, le troisième avantage qui n'est pas à négliger, il va vous donner, comme je vous ai dit auparavant, il transmet des messages de régénération de cellules en cellules. Donc un lancement, une peau qui se régénère, un relancement de la collagénèse. Et si tout le monde choisit cette option-là en ce moment, c'est peut-être pas pour rien. D'ailleurs, j'ai hâte de le mettre à l'épreuve sur la partie technique qui sera sur Odyssée, bien sûr. Un autre bienfait, vous pouvez l'utiliser bien sûr sur visage, cou, main, cuir chevelu. Donc, il est très versatile. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que ce traitement-là, aujourd'hui, chez le médecin, sans vouloir dénigrer et sans vouloir parler mal ou faire du gossip, mais c'est vrai que une séance de deux exosomes chez le médecin, par exemple pour le cuir chevelu, ça va tourner autour de 1000 euros. Au niveau des mains, si vous souhaitez faire ce traitement-là chez le médecin, au niveau des mains, ça va vous faire environ entre 450 et 500 euros, plus ou moins en fonction des lieux où vous habitez. Mais hélas, ce sont les prix aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour cette raison que l'on fait ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. L'autre avantage, c'est que les deux exosomes, ils ont un effet plus long. Ils restent plus longtemps et ils ont un effet durable. Donc une fois que c'est fait, une fois que le traitement est complété, vous aurez une durabilité des résultats, ce qui n'est pas à négliger. Est-ce que ce produit-là a des inconvénients? Si on peut appeler ça des inconvénients, yes, il a des inconvénients. Le premier inconvénient qui, pour moi, j'aime bien garder mes produits, j'aime bien pouvoir les sauvegarder après leur utilisation si je ne l'utilise pas dans leur entièreté, mais celui-là, une fois que c'est mélangé, vous allez devoir l'utiliser en entier. Vous ne pouvez pas le garder au frais, vous ne pouvez pas le garder à température ambiante. Vous devez finir la boîte en une séance. Donc pour moi, ça c'est un petit désavantage parce que ben, j'aime pas forcément tout utiliser et j'ai toujours réussi à sauvegarder mon produit. Mais hélas, avec celui-là, on ne pourra pas faire ça. Et c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est vraiment le fournisseur, le créateur, le fondateur de ce produit-là qui a injecté, parce que c'est un produit qui doit être reconstitué, et qui dit reconstitué, c'est qu'avec le temps, il aura tendance à perdre de son efficacité. Donc, une fois mélangé, on ne peut plus, on doit l'utiliser en entier et on ne pourra pas le garder pour une prochaine session. Un autre inconvénient, mais ça, j'ai envie de vous dire que ça s'applique pour absolument tous les traitements, c'est qu'on doit faire 2 à 3 séances, 2 à 3 traitements espacés de 4 semaines.
de 3 à 4 semaines entre chaque traitement. Donc oui, comme pour tout, on doit suivre le protocole en entier. Si vous avez de l'acné sévère, des infections de la peau ou des allergies, dans ce cas-là, ce produit ne sera pas conseillé pour vous. Il ne pourra en aucun cas être injecté au niveau de l'acné, au niveau de l'acné, je perds mes mots. Anyway, vous avez compris, il ne pourra pas être utilisé si vous avez des infections de la peau. Si vous vous êtes blessé, attention à ne pas injecter le produit là. C'est un produit qui s'injecte en superficiel, en mésothérapie ou en microneedling. On n'est pas trop en profondeur avec les exosomes. Et d'ailleurs, pour les adeptes du Dermapen, pour celles qui ne jurent que par le Dermapen, en plus du Curenex, vous pouvez utiliser les deux exosomes. Un autre inconvénient, pas du produit, mais quant à son utilisation, vous savez que si vous ne désinfectez pas proprement, que si vous ne travaillez pas dans un environnement désinfecté et propre, et si vous ne respectez pas les normes d'hygiène et de sécurité, vous avez un risque bien sûr d'infection et autres. Mais ça, on le sait, on l'a appris depuis le temps que l'on fait des injectables, on ne s'amuse pas avec ça. Passons maintenant au protocole. Quel est le protocole en entier des deux exosomes? Je vais vous expliquer parce qu'il y a un petit truc en plus que l'on doit faire, une petite étape. Rien de bien transcendant, mais il est important de le préciser et de vous en parler. Première étape du protocole, vous devez être capable de déterminer si ce produit-là correspond à votre besoin actuel. C'est très important. Posez-vous la question, est-ce que j'ai de l'acné? Est-ce que j'ai des infections? Est-ce que j'ai des allergies? Un patch test est toujours nécessaire, donc vous devez absolument vous consulter vous-même pour savoir si ce produit est adaptable. Et ça, je pense pas vous l'avoir dit, parce que pour moi, ça a été toujours common sense, mais souvent, je vois bon nombre d'entre vous qui se jettent tête baissée sur les produits sans forcément savoir si ce produit-là est adaptable. Et c'est pour ça que l'on propose des accompagnements, entre autres pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de ça, mais c'est important, avant même de l'acheter ou de l'envisager, savoir s'il va répondre à vos besoins actuels. Et les besoins d'aujourd'hui ne seront pas forcément les besoins de la semaine prochaine. Et les besoins d'hier n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Ça peut changer, la peau est versatile et elle a différents besoins en fonction des saisons, des jours, des périodes. Donc, très important, déterminer si ce produit correspond à votre besoin. Deuxième et troisième partie du protocole, c'est que vous devez bien désinfecter, bien doublement nettoyer la peau avant votre traitement, faire en sorte que votre environnement est propre, que là où vous allez vous injecter, c'est propre. On ne le fait pas dans sa salle de bain, à côté de son lavabo, etc. On le fait dans un environnement propre et désinfecté. Préparez votre espace de travail avant le traitement, avant les traitements, ça s'applique pour absolument tous les produits. Évitez les animaux de compagnie près de vous quand vous allez faire vos injections, évitez vos enfants près de vous, évitez d'être entouré trop de monde, prenez le temps de le faire en toute sérénité et faites-le bien. Et puis la troisième partie du protocole, si vous le souhaitez, si vous êtes douillé, vous allez mettre une crème anesthésiante un petit peu partout. Attendez que ça agisse et puis ensuite désinfectez la crème anesthésiante et vous pouvez ainsi commencer. Mais si vous êtes pas douillé comme moi, vous pouvez ne pas utiliser la crème anesthésiante si vous souhaitez. La quatrième partie du protocole, c'est qu'on va préparer le produit. Vous allez voir, on aura la poudre, c'est le numéro 1, avec le sérum ou le produit à l'intérieur, et on va devoir mélanger les deux. Comme je vous ai dit au préalable, une fois que ces deux parties mélangées, ça on va le voir dans la partie technique, on ne pourra plus le garder pour plus tard. On doit l'utiliser complètement tout de suite. On ne pourra pas le garder au frais, on ne pourra pas le garder. Ça, je l'ai dit, mais je ne le redirai jamais assez. Et je vais le redire dans la partie technique. Je vais vous montrer comment je le reconstitue. Donc, et vous devez toujours suivre, parce que les exosomes, il y a le 1, il y a le 2, ils ne sont pas tous de la même manière. Celui-là, c'est le 2. Et on doit faire en sorte de bien les mélanger. En revanche, et suivre, bien sûr, les directives du fournisseur
de celui qui a créé le produit. Il faut toujours suivre les consignes du produit. La profondeur exacte est de 1 à 2 mm, pas plus. Donc, on va ajuster notre aiguille à 1 ou 2 mm. Donc, on est vraiment superficiel. Et ça, c'est la raison aussi pour laquelle on peut conseiller d'utiliser ce produit avec le Dermapen. Et je sais que les adeptes du microneedling vont adorer cette option-là parce que ça vous donne encore un choix supplémentaire. C'est un des rares produits d'ailleurs qui s'injecte avec le Curenex, qui peut s'injecter et qui aura la même efficacité que ce soit avec le microneedling ou avec l'injection. Donc, si vous êtes une adepte des microneedling, si vous êtes douillée et que vous ne voulez pas, vous pouvez très bien utiliser ce produit en Dermapen. Finir, après le traitement, on va masser. Vous aurez des papules pendant quelques temps. Ça peut arriver. Les points doivent être rapprochés. Et ensuite, on doit masser et on peut appliquer une crème. D'ailleurs, ça tombe bien. J'ai exactement le sérum et la crème qu'il faut appliquer après le traitement. Donc, je vous expliquerai tout ça un petit peu dans la partie technique. Passons maintenant à la partie technique. J'espère que vous avez aimé ce côté théorique. Rejoignez-moi sur Odyssée sur la partie technique. À tout de suite.